Le massif de Caux est un massif très particulier, déjà de par sa position à proximité de Cayenne, qui est le chef-lieu de Guyane. Il y a plus de 150 000 habitants avec Cayenne et sa couronne, et donc il est stratégiquement très particulièrement positionné. Deuxièmement, il est aussi très particulier dans le sens où il est diversifié. C'est une montagne, il y a des forêts de terre ferme, il y a des forêts de marécage, il y a des zones humides, des savanes sèches. On retrouve en fait énormément de particularismes qui sont concentrés ici. Et du fait de sa proximité aussi, il y a de nombreuses personnes qui sont venues ici ou qui viennent ici pour y découvrir qui pour le loisir, qui pour y travailler, qui pour faire des recherches, qui pour diverses autres raisons, comme la chasse par exemple. Et donc notre souci est très particulier ici de veiller à ce que, dans la mesure du possible, en faisant attention à ce qu'effectivement ce soit gérable, tout le monde y trouve son compte. C'est une forêt publique et l'ONF a pour vocation de gérer la forêt publique et donc la mettre à la disposition des publics. Ce qui est très intéressant avec la technique du radiopistage, c'est que l'on pose de manière peu perturbante en fait cet émetteur sur l'oiseau et on peut vraiment découvrir en le suivant avec une antenne radio, donc un récepteur, tous ses déplacements et donc déterminer pendant environ 2 semaines avant que l'émetteur tombe de lui-même et qu'éventuellement on le récupère en forêt, son utilisation de l'espace, quel type de forêt il va exploiter ici, car il y a une très grande variété d'espèces végétales et de milieux, de types de végétation. Donc de mieux comprendre quels sont les types de végétation qu'ils préfèrent, aussi bien par exemple les mâles pendant leur reproduction que les femelles pendant la nidification, quand elles vont nourrir leurs jeunes, etc. Et donc de mieux comprendre, leur utilisation de l'espace et quelles zones ici autour de cette grotte qui est très connue en Guyane, ces oiseaux vont exploiter et donc quelles zones seraient peut-être éventuellement à protéger de l'exploitation par exemple forestière alors que d'autres zones sont moins impactées car il n'y a pas de coque de roche dans cette zone-là et ils ne se déplacent pas jusqu'à ces zones exploitées par exemple. Ce que je trouve très intéressant dans ce programme LIFE, c'est qu'on puisse comparer, moi je puisse comparer les études que j'ai faites dans une zone totalement protégée et donc non exploitée pour des raisons touristiques ou industrielles, la réserve naturelle des Nourags, à cette montagne de Caux, la forêt de la montagne de Caux, où il se trouve en fait différents acteurs, comme évidemment les touristes, qui sont très intéressés par cette espèce emblématique vraiment au niveau guyanais qu'est le coq de roche, et également des enjeux d'exploitation, aussi bien d'exploitation forestière que minière. Donc c'est très intéressant d'étudier la biologie, l'exploitation de l'espace par le coq de roche pour essayer de mieux comprendre comment on va pouvoir concilier en fait l'utilisation de cette forêt de la montagne de Caux par les différents acteurs en présence.